Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting avec moi cette fois-ci. Voilà, ça y est, j'ai terminé mon DP avec les chats en strass. Il est super beau, je l'adore, il est magnifique. J'avais attendu quelques jours là, j'étais prise donc j'avais pas pu, enfin j'avais d'autres choses à faire. Pour parler franchement, donc j'aurais pu le finir avant, mais bon, voilà. Donc je l'ai terminé aujourd'hui. C'était nickel. Non, non. J'entendais du bruit, mais c'est une marchande de glace qui passe. C'était nickel. Il me reste beaucoup de strass. Je ne suis pas tombée du tout en panne de strass. Et là, il m'en reste vraiment beaucoup. Donc, ceux-là, bon, moi, je vais les garder. Hein. Les strass, souvent, je les garde. Au cas où je voudrais faire une petite créa ou pour faire des cartes ou. Voilà. Ou un petit bricolage. Là, je vais encadrer. Alors, j'avais normalement déjà le cadre hein, pour le faire. Mais si vous avez regardé la précédente vidéo. Je me suis servi du cadre pour encadrer la broderie de ma belle-fille. Voilà. C'est pas très grave, hein. Action est là pour m'en vendre. Donc j'irai en rechercher un cette semaine pour faire l'encadrement. Voilà. D'ailleurs, j'aurai deux encadrements à faire. Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Il y a le DP à Chouchou et donc il y a le mien. Voilà. Alors là, je réfléchis pour savoir si je recommence tout de suite un petit DP ou si je me mets sur mon grand. Mais je crois que je vais avancer un peu mon grand DP, un de mes deux grands DP parce que j'en ai deux grands en route. Ou alors je vais faire une rotation, un coup là, un coup l'autre. Voilà, je vais voir comment je vais me goupiller ça. Mais c'est pas parce que bon, il faudrait quand même que je les avance, ceux-là. Il y avait un DP que j'avais eu chez Caraart, je crois. Si je me trompe, je vous le remets là. Et le deuxième DP, ben, c'est ma copine Sylvie qui me l'avait offert. Oui, Sylvie, je n'ai pas encore fait. Enfin, il est démarré, mais je n'ai pas encore retravaillé dessus. Mais c'est vrai que celui-là, il faut que je me mette bien à tête reposée parce qu'il est compliqué au niveau de l'impression. Donc voilà. Mais je pense que je vais alterner les deux et puis je ferai peut-être un petit entre-deux. Voilà. Entre mes DP, mes broderies, mes tricots, mes crochets. Voilà, on va alterner tout ça. Hein. On va se faire une petite rotation de tout ça, et puis on va bien s'en sortir. Oui. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais vous laisser visionner la vidéo de la fin de ce DP. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie de l'acheter, si ça vous plaît, si vous aimez bien ce style ou pas. Voilà. Moi, je vous remets en tout cas en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour retrouver ce DP. Et maintenant, je vais vous laisser visionner. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.
Thank you.
Thank you.